La commission parlementaire chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est en dépassement de 5 jours du délai lui accordé pour la réalisation du travail. Elle devrait en principe déposer ses conclusions au plus tard le 29 février dernier. La commission évoquerait des raisons techniques pour justifier ce retard. Son président a fait le point ce lundi de l'évolution des travaux. Pour Jacques Njoli, toutes les 4 commissions créées sont à terme des travaux. Leurs conclusions sont envoyées dans une commission technique interne pour le toilettage. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui qu'un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures, pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final.